Salut tout le monde! Comment allez-vous? Alors, avant toute chose, je tiens à m'excuser. Lucas m'a fait remarquer que dans la vidéo d'hier, j'ai terminé comme ça, sur un écran avec la main, le stylo, la photo, et c'est tout. Et j'ai pas dit au revoir et j'ai pas dit bonne journée. Donc, je suis vraiment désolée. J'espère que mes excuses seront acceptées. Première chose. Deuxième chose, j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez bien mangé et que vous êtes de bonne humeur. Vous savez quoi? Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine. Normalement, demain, il n'y avait pas école et vendredi non plus. Donc, tranquille, quoi. À l'aise. Je vous donnerai un travail à faire sur les 4 jours du week-end. D'accord? Qui sera disponible dans une autre vidéo. À me rendre au plus tard, dimanche. Dans la journée de dimanche. Ça, vous pouvez le faire jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Mais il y aura un autre travail. Tant qu'on est dans le programme du jour, je continue. Je vous demanderai aussi de voir si vous êtes avancé dans votre plan de travail, d'avoir passé la ceinture orange sur Matero. Et c'est parti pour le programme du jour en feuille. Alors pour aujourd'hui, c'est plus maths que français. D'accord? Une petite feuille de français en grammaire 25. Et le reste, encore un petit peu de travail sur la symétrie, sur de la reproduction. Et puis 2 feuilles de grandeur sur les capacités. D'accord? C'est parti! Alors, nous commençons par la feuille grammaire 25. Tu te souviens? Ici, il y a une phrase. Et tu dois retrouver la phrase. Le premier mot est un triangle noir et blanc, le deuxième mot un carré, le troisième mot un losange, le quatrième mot aussi, etc. Ensuite, ici, tu as des indices. Donc, tu vois ici, il y a des indices. Ces indices te permettent d'aller chercher de quel mot on parle. Et ici, tu peux m'écrire la réponse. Je vais lire avec toi les indices. La phrase commence par un pronom personnel au pluriel. Tu es capable de comprendre ça. On a vu ce que c'était. Le verbe au présent a pour infinitif faire. On te dit qu'il est au présent et que son infinitif est faire. Le groupe suivant, regarde, c'est un groupe de 2 mots. Donc tu vois, ça, en fait, c'est celui-ci et celui-ci. Le groupe suivant est au féminin singulier. Et il est composé d'un. Alors, un article défini, c'est un déterminant. Et un nom commun qui indique une habitation. D'accord? Puis, il y a une préposition. C'est un petit mot qui ne change jamais d'orthographe. Et qui indique le moyen utilisé. Si tu ne sais pas, tu passes et tu cherches la suite. Et la phrase se termine par un article défini. C'est toujours un déterminant au féminin pluriel et un nom commun. À toi d'essayer. C'est parti! Alors nous passons à SF24. SF24, on est toujours par symétrie, d'accord? Petit rappel, on dit qu'une figure a un axe de symétrie si, lorsqu'on plie le long de cet axe, les deux parties pliées se superposent parfaitement. Certaines figures géométriques peuvent avoir plusieurs axes de symétrie. D'accord? Donc, si je plie mon visage ici, ça se superpose. Si je plie ma flèche ici, hop, ça se superpose avec ça. Mais si je la plie dans l'autre sens, ça se superpose avec ça. Le nuage, je ne peux pas le plier d'aucune manière possible puisque il ne se superposera jamais. Il n'y en a pas, il y en a un, il y en a deux. Il peut évidemment y en avoir plus que deux. Hein. Souviens-toi du cercle. Trace les axes de symétrie des dessins suivants. C'est vraiment pas dur. Hein. D'accord? Ici, c'est un solide, mais ce n'est pas parce que c'est un solide qu'il n'a pas d'axe de symétrie. Attention, ceci n'est pas un disque. D'accord? C'est un cylindre. À toi de réfléchir où est-ce que tu pourras mettre un axe de symétrie. Ici aussi. Alors, il y a bien des figures qui n'en ont pas et il y a des figures qui en ont plusieurs. D'accord? Et ici, tu me trouves 2 axes de symétrie pour le rectangle et 4 axes de symétrie pour le carré. Ce n'est pas très difficile, hein? Allez, c'est parti. Alors pour la suite, il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, mais il faut y passer, je suis désolée.
C'est pour ça que j'ai pas mis énormément de français parce que je sais que à recopier parce que je sais que vous allez prendre du temps pour recopier proprement et consciencieusement toutes les parties de maths. Vous avez deux avions. En fait, regardez. Ça s'appelle le looping. Un looping, c'est quoi? C'est quand on fait un tour dans les airs et qu'on revient sur sa position de base. En fait, l'avion, il tourne autour de ce point. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a déjà fait ça en classe. L'avion ici, donc vous voyez cette partie de l'avion. Si je compte ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai la même partie de l'avion ici. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, l'avion, il tourne. Il regarde par là, il regarde par là. Ici, il va être complètement à l'envers. Donc, il va être dans l'autre sens. D'accord? Et puis, je ne trace pas puisque vous allez devoir vous retrouver vous-même. Donc, ici, vous voyez, c'est pour vous aider à démarrer sur le haut de l'avion. Et ici, vous allez compter et tracer l'avion. D'accord? Si vous avez besoin, pour vous faciliter les choses, de tourner la feuille, pour faire l'avion, vous pouvez. D'accord? Si ça peut vous aider, il n'y a pas de souci. Comptez bien les carrés. C'est pas super dur. Peut-être que le bas de l'aile risque d'être un peu difficile. Mais comptez les carrés. Donc, regardez. Quand vous êtes ici, vous comptez 2 et 2. D'accord? Prenez des repères grâce aux carrés. Ici, hop, vous prenez un point. Vous comptez 3 et 1. D'accord? Comptez les carrés. Ça va vraiment vous aider. Allez, concentrez-vous bien et c'est parti. On passe à SF27. Alors, c'est du traçage. Absolument besoin d'une latte. Et de préférence, un crayon ou un porte-mine. Le Bic, c'est à éviter. Il y a plein de repères. Regardez. Ici. Et grâce au repère, vous allez essayer de me reproduire le même dessin. Utilisez les repères dans les quatre sens. Hein, d'accord? Donc comptez bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Donc vous savez que ça part d'ici. Alors si je pars d'ici, je dois relier le deuxième. Donc je prends ma latte et je relie le deuxième. Ensuite, j'en passe un et je relie le quatrième. C'est parti. Alors, il y a quelques droites, par exemple celle-ci. Mais il va d'abord falloir que tu traces les autres pour arriver à croiser et pour retrouver ton croisement. Trace d'abord les droites qui relient les côtés et ça va aller tout seul. Je suis certaine que vous allez y arriver. C'est parti. Ici, on passe à grandeur 24. Alors, je te rappelle, oui, je vais te le rappeler, les capacités, on utilise plusieurs mots de vocabulaire. Ça fait longtemps qu'on n'en a plus parlé, donc j'ai repris une feuille un petit peu basique, assez facile. L'unité principale de mesure de la capacité, c'est le litre. Donc, quand je parle de capacité, je parle de litre. Ensuite, on peut parler de décilitres, de centilitres. Et de millilitres. Ça, ce sont les mots qui sont plus petits que le litre. Il y a des mots qui sont plus grands que le litre, mais ça, on y viendra après. C'est assez simple, tu dois relier ce que tu penses. Alors, ceci est un verre mesureur qu'on trouve dans la cuisine, pour faire de la pâtisserie, par exemple. Une seringue. Ceci est une citerne à mazout. D'accord? Donc ça, c'est un camion à mazout. Il y a beaucoup, il y a de l'essence dedans. On apporte du mazout, c'est de l'essence. Et on vient livrer le mazout et on vient le mettre dans la citerne pour faire fonctionner la chaudière. D'accord? Un seau et un bidon d'essence. D'accord? Allez, essaye de me relier, sois logique. Hein, d'accord? Essaye d'être vraiment le plus logique possible. Commence par relier ce que tu sais faire. Vas-y, c'est parti. Et nous terminons déjà avec grandeur 25. Et tu dois me dire si c'est plus ou moins qu'un litre. Je te rappelle qu'un litre, c'est une brique de lait, par exemple. D'accord? Donc, plus petit qu'un litre, un litre, plus grand qu'un litre, et vous reliez. Une brique de lait, justement, un petit jus de pomme, un biberon, un seau, un verre mesureur, une bouteille de vin,
une canette, un bidon d'essence, une grande bouteille de limonade, une petite bouteille d'eau, une grande bouteille d'eau et une seringue. D'accord? C'est parti! Alors, je vais maintenant t'expliquer ce que tu vas devoir faire pendant ce long week-end. Tu n'es pas obligé de le faire aujourd'hui, tu le fais quand tu veux. D'accord? Pour cela, tu dois prendre ton wapiti. Il va falloir me le rendre, le wapiti. Donc, tu vas devoir utiliser ton wapiti et c'est parti pour les explications. Alors, la tâche que tu vas devoir réaliser est de réaliser une petite vidéo. Pas de panique, je n'attends pas une vidéo comme celle que je poste sur YouTube. J'attends une vidéo beaucoup plus courte. Entre 2 et 3 minutes, ce serait l'idéal. Si c'est un peu plus, c'est pas grave. Je préférerais que ce soit pas moins quand même. Et je vais t'expliquer ce que tu dois mettre dans cette vidéo. Le plus simple serait que tu te fasses filmer par quelqu'un. Si tu n'en as pas l'occasion, tu peux prendre un téléphone, mettre la caméra frontale, la poser devant toi et appuyer sur play, exactement comme je fais en cet instant pour préparer les vidéos du jour. D'accord? C'est parti. Alors, si je prends mon wapiti, chacun a reçu un wapiti différent. Si je prends mon wapiti, il y a un titre qui parle d'un animal. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, on ouvre la première page, on prend le sommaire. Ce qui nous intéresse, c'est le dossier du mois. Dans mon cas, le dossier, c'est de la chenille au papillon. Donc, tu ouvres au sommaire, tu cherches le dossier, page 14, dossier de la chenille au papillon. Tout le monde a un gros dossier dans son wapiti. Si ce n'est pas un dossier sur un animal, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. D'accord? Ça ne change absolument rien au travail que tu vas devoir faire. Donc, tu ouvres ton dossier, ton wapiti, pardon, au dossier principal. Tu lis le dossier, tu le lis en entier et correctement. D'accord? Tu le lis. Tu le lis. Il y a, je pense, 2 ou 3 doubles pages. Voilà, c'est pas énorme. Hein, c'est pas la fin du monde. Hein. Lecture, ça fait du bien. J'oublie un petit peu de parler du forum, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ne lisent plus, mais c'est pas de votre faute, je ne vous en veux pas du tout. Donc tu vas lire le dossier correctement, tu vas essayer de le comprendre, s'il y a des mots que tu ne comprends pas, s'il y a des phrases que tu ne comprends pas. Surtout, tu n'hésites pas à me poser des questions. Essaye de ne rien écrire dedans, hein, d'accord? Dans le dossier ou dans le wapiti, essaye de ne rien écrire parce que j'aimerais le récupérer. Donc tu le lis et ensuite je passe à l'étape suivante. Lorsque tu l'as lu et que tu as bien compris ce que tu as lu, tu vas choisir 3 informations que tu vas partager avec les autres copains de la classe. Alors, ta vidéo doit se découper en plusieurs morceaux. 1. Tu présentes ton animal. Donc, ne commence pas directement par les infos sans savoir de qui on va parler. D'accord? Et tu peux utiliser ta vidéo, ton téléphone, pour montrer l'animal dans le wapiti. Ok? 2. Tu présentes les informations. Alors, ne dis pas simplement « le papillon va se la petite chenille va se transformer en chrysalide qui va se transformer en papillon ». Non, j'aimerais que tu utilises la lecture que tu as faite pour donner des informations intéressantes à un élève de 4e pour lui apprendre quelque chose. D'accord? Donc, 2, tu présentes tes 3 informations. Et 3, tu fais une petite conclusion. D'accord? Donc, tu peux reprendre une petite synthèse éventuellement de l'apprentissage que tu as fait ou terminer par une petite phrase de conclusion que tu choisis. Ça m'est égal. D'accord? Donc, cette vidéo peut être vraiment filmée en une fois. Tu ne dois pas te stresser pour que la vidéo soit parfaite. C'est pas du tout l'objectif. Si tu as besoin de montrer des photos de ce que tu expliques, tu as le droit de bouger le téléphone aussi. Et je pense qu'avec la technologie actuelle, c'est relativement facile de faire une vidéo. D'accord? Entre 2 et 3 minutes, si c'est possible. Si tu ne t'en sors pas, n'hésite pas à me poser des questions. Après, j'utiliserai les vidéos que vous avez faites pour travailler dans une autre vidéo que je mettrai sur YouTube. Donc, surtout, on doit... Non, je ne mettrai pas les vidéos sur YouTube. Parce que si je les mets sur YouTube, on verra ton visage. Donc, je ne les mettrai pas sur YouTube, on les utilisera pour autre chose. D'accord? Je répète. 1. Tu présentes ton animal. 2. Tu présentes les 3 informations. Si tu as envie, tu peux même... utiliser les images de ton dossier. 3. Tu termines par une petite phrase de conclusion. D'accord? Fais de ton mieux. Si tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas à me demander.
Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je te souhaite de passer un très très bon long week-end. Je continuerai à donner un défi jeudi et vendredi, bien entendu. Et je vous rappelle qu'on fait un petit rendez-vous Skype pour ceux qui veulent, jeudi à 14h. D'accord? À bientôt, mes petits pangolins!